Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compléter rapidement et facilement les carrés magiques d'ordre 7. Donc il s'agit de compléter les cases par des nombres de 1 à 49. Hein. Donc 7 fois 7 égale 49. Et on les utilise une seule fois. Donc la somme magique. Pour un carré magique d'ordre 7, eh bien, je vous donne la formule. C'est une formule qui marche aussi pour les carrés magiques d'ordre impair et pair. Hein. Donc on remplace, donc c'est 1/2 fois n, facteur de n au carré plus 1. Voyez. Donc le n, je le remplace par 7, parce que là, on va travailler le carré magique d'ordre 7. Donc je le remplace par 7, et ça me fait 175. Voyez. 7 au carré, ça fait 49, plus 1. 50, 50 fois 7, 350, et multiplié par 1/2, ça veut dire divisé par 2. Donc 350 divisé par 2, ça fait 175. Ça veut dire que ce carré va être magique, eh bien, car les sommes hein, des nombres sur les lignes, sur les colonnes, et les deux diagonales principales, ben, ces sommes-là vont être égales à 175 à chaque fois. Donc pour le compléter, là on va aller vite. J'ai une autre vidéo hein, dont le lien est en barre d'infos, hein, d'ordre 3 et d'ordre 5, où je vous explique comment compléter rapidement en détail les carrés magiques. Hein. Et là, donc, comment on fait? Donc on y va. On met le 1 au milieu. Et on va monter toujours en diagonale les nombres. Hein. Donc le 2, en diagonale vers la droite. Donc le 2, il vient là, et bien quand il est à l'extérieur, ben, je le mets sur le bord opposé. Le 2, je le mets là. Et ensuite, je monte en diagonale, regardez. Le 3, je monte en diagonale, 3, 4. Le 5, il vient à l'extérieur, et hop, je le bascule sur le bord opposé, voyez. Le 5, donc le 6, je le mets là. Le 7, ici. Le 8, ben la case est déjà prise. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Ben je me place juste à gauche. Le 8, je le mets là. 8, 9, 10. Donc, le 11, il vient à l'extérieur. Eh bien, on le bascule sur le bord opposé. Le 11 vient là. Donc, le 12 vient là. Le 13, il est à l'extérieur. Donc, je le bascule sur le bord opposé, ici, en bas. 13, je continue, 14, je monte en diagonale. Hein. Le 15, ben, la case est déjà prise, donc je le mets tout de suite à gauche. Le 15 vient là. Ensuite, 16, 17, vous voyez, 18, 19, le 20, il est à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé. Le 21, je monte en diagonale, il est à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé. 21, donc, 22, la case est prise, je le mets juste à gauche. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Le 29, il vient à l'angle. Qu'est-ce qu'on fait à l'angle? Eh bien, on le met juste à gauche. Voilà, on met le 29 ici. Le 30... En diagonale, il est à l'extérieur, donc je le mets sur le bord opposé, le 30 vient là. Ensuite, 31, donc il serait ici, je le mets sur le bord opposé. 31, 32, 33, 34, 35, le 36, la case est prise, je le mets juste à gauche. 36, 37, donc là je suis à l'extérieur, 38 il sera à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé, 38 vient ici. 39, je monte en diagonale. Le 40, il est à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé. Ensuite, 41, 42. Le 43, la case est prise, donc je le mets juste à gauche. 43, 44, 45. Le 46, il est à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé. 46, 47, 48,
le 49 à l'extérieur, je le mets sur le bord opposé. Et j'ai fini de compléter mon carré magique d'ordre 7. Donc si vous faites la somme des nombres, hein, ici, 20 plus 12 plus 4 plus 45 plus 37 plus 29 plus 28, eh bien ça fait 175. Sur les diagonales aussi, les deux diagonales principales, et les nombres, si vous faites la somme des nombres, des colonnes, hein, à chaque fois, ça fait 175. Là, vous pouvez voir un autre carré magique, hein, d'ordre 7. Alors, comment je l'ai fait ? Donc, j'ai pris... Donc, une fois que vous en avez un, vous pouvez en construire autant que vous voulez par des permutations de colonnes et de lignes. Hein. Donc, vous voyez, j'ai pris la première colonne, là. 20, 11, 2, 49, 40, 31 et 22. Et je l'ai couché sur la première ligne. 20, 11, 2, 49, 40, 31 et 22. Vous voyez, la même série. Et en dessous, ben, j'ai répété tous les nombres. J'ai répété les nombres, vous voyez. 20, 12, 4, 45. On le retrouve là. 20, 12, 4, 45. 37, 29, 28. 37, 29, 28. Vous voyez, je répète. Et je crée un nouveau carré magique d'ordre 7. Et donc, la somme des nombres sur les lignes, les colonnes et les deux diagonales principales, eh bien, cette somme fait à chaque fois 175, voyez. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Hein. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.